Nabdi nous pas accepter qu'un vagabond ait fait ici, hein, parce que si la presse pas présente ensemble avec nous ici, hein, personne ne va jamais informer de ce qui a passé ici, hein, ni de l'activité que nous avons conduit ici. Hein. Nous-mêmes, si on va qu'on ça produit, sans que nous personnellement gagne aucune information sur la question, hein, m'a choisi dans nos sénat, dans nos bureaux, pour me présenter nos toutes excuses. Hein. Mais ça ne peut pas arrêter là. Nous estimons que si tu as gagné un comportement aussi désobligeant vis-à-vis de un membre de la presse, ou bien n'importe qui, monde qui a fréquenté le Parlement, nous allons prendre toutes les dispositions appropriées et puis pour que nous sévissions contre l'agence avec la plus grande rigueur. Nous t'a aimé seulement pour t'a permettre que si tu as gagné un journaliste, certainement nous avons une caméra. Tout téléphone, nous avons une caméra là-dedans. Nous sommes quand même contents pour que, si nous sommes capables de permettre que nous fassions bureau et joignent l'image pour que nous visualisions et pour nous capables d'identifier avec précision qui est-ce qui fait, qui est-ce qui ne fait pas, pour que nous ne pas faire bœuf payer pour Cabrit. Merci, Président. Merci beaucoup. Et puis, tous mes respects, encore une fois, les respects du Sénat de la République. Thank you.
importateurs miens, nous tous ces importateurs, nous tous ces camionnets. Mais les Dominicains venus, ils ont l'autre bois au sorti, sous le carré bien gardé, ils ont traversé le trilet. Ils ont traversé le trilet sous frontière là. C'est là où ils ont fait là. Mais hier, pendant les 10 heures comme ça, le trilet a sorti sur Saint-Domingue. Mais il y a trois fronts, trois boîtes dominicains qui viennent barrer le trilet là pendant qu'ils ont traversé, ils sont rentrés sur l'île panou. Mais depuis que les fins de traverser dans la barrière dominicaine, ils n'ont pas rien à revoir encore avec les dominicains. Parce que ça a échappé par nous et c'est nous qui achetons le poulage. Et puis ils arrivent là, ils n'ont pas rien. Mais le problème qui se pose, il y a un problème avec les colonels. Parce que les colonels ont réclamé pour chaque trilet 500 pesos. Mais il y a le récent qui n'a pas de balle 500 pesos ailleurs. C'est ça qui fait qu'ils viennent barrer et trilet là. Les gens barrer trilet là, ils ont essayé de revendiquer. Ils disent non, pas qu'ils viennent barrer trilet là. C'est pour trilet à faire depuis en dedans. Là, pour les vitrines arrivées là, il n'y a pas grand rebavé encore. Là, il y a viré, il y a allé, il y a venu, il y a retourné encore, il y a retourné avec un troupe. Là, ça a dit que tout le monde commence à se battre, il commence à se battre. Tout le monde a pris 5 personnes qui prennent balle, ça me s'est cassé. Il y a 6, mais je vais regarder 5 qui prennent balle. Mais est-ce que vous équipez les machines pour vous? Non, pourquoi équipez? Moi-même, je prends la machine avec toute chale à la donne, il y a 204 sacs à la donne, avec un téléphone portable qui vont acheter pour 20 000 pesos. Il y a une République dominicaine. Oui, actuellement, quand même dans ces flancs, dans la caserne, il y a fini au travers, il y a la velle nette. Il y a environ 4 machines pour les Haïtiens qui ont été montées à la veille. Pour donner la chef là dedans qui pourrait pas nous secouer pour aider nous la fini tout nous pas de magistrat ici nous pas de chef ici qui pourrait pas nous rien qui pourrait aider nous rien chef là ça va chef dominicain au manger nous pas de chef dominicain pas gain la loi chef dominicain pas gain la loi pour venir camper sous terre ici on veut comprendre si sous même c'est chef ou pas qu'a vini tant que trailer ça arrivé ma pour porte marchandise pour le river devant qu'a fini pour passer au mec chef pour passer devant les pour camper moto sous terre haïtien. En kilo ça. Donc ça a été dominicain on rentre sous en tête sous terre. Le président de la République là, il était instruit nous pour nous te venir matin hein, pour nous capables rencontrer les autorités et la population de Belader. C'est comme ça que matin hein, nous avec une délégation qui formée de ministre affaires étrangères, ministre justice, ministre de l'Intérieur, nous avons un secrétaire général du Conseil des ministres et puis nous avons des autorités policières, à savoir le directeur général de la police nationale, nous avons le directeur des CPA et puis nous avons l'inspecteur général en chef de la police nationale. Bien sûr, au niveau de ministre Yoto, nous avons le ministre communication. Et un peu plus tard, nous venons un honorable sénateur William Joseph qui est là avec nous. Et nous venons tout chargé d'affaires d'Haïti en République dominicaine qui est venu jeune nous pendant un compte. Donc, comme je te dis, l'objectif en compte ça, d'abord, c'est pour nous faire un inventaire de situation. C'est comme ça que nous rencontrer avec toute autorité établie de la ville de Belader, côté que chaque monde bat nous. Toute information que vous gagnez au sujet de l'événement, ça qui s'est passé. Et puis après, nous rencontrer avec deux représentants de la ville, ce sont des habitants de la ville, des commerçants, qui viennent, qui expliquent nous tout ça qui passé. Et comme l'autre autorité que nous rencontrer les autorités militaires qui sont sous frontière là, qui, et notamment commandant Simo qui est sous frontière là, qui bat nous un rapport de. Dernier événement. Information que nous avons d'abord, c'est que la situation retourne dans le calme. Et le sous contrôle. Le sous contrôle, nous avons demandé à la population pour qu'elle soit calme, continuer à être calme, pendant que nous-mêmes, comme autorité, pour nous continuer, n'est-ce pas vrai, avec toute une série de mesures pour nous stabiliser la situation. Côté que je dis en même, ministre des Affaires étrangères là, il convoqué ambassadeur dominicain hein, pour le cas partager les informations avec elle et fixer la position du gouvernement haïtien. Deuxièmement, nous même tout à notre niveau, nous pourrons aller, n'est-ce pas vrai, mettre en branle une commission interministérielle qui pourrait aller, n'est-ce pas vrai, faire une synthèse de toute information que nous recueillons aujourd'hui après traitement et pour nous prendre des mesures, parce que nous connaissons qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de la frontière, notamment
au niveau de la ville de Bel-Ader, côté que nous gagnons des actes de brigandage, côté que nous gagnons contrebande, nous gagnons trafic d'armes, trafic de drogue qui a fait au niveau de ville Bel-Ader et notamment au niveau d'autres villes frontalières. Et nous connaissons que l'État prend responsabilité, quel que soit le monde qui est impliqué dans le bail, l'État prend responsabilité.